Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubon. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ah, mes frères et sœurs, vraiment, que Dieu nous protège. Derrière les femmes sorcières se trouve la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Derrière les femmes sorcières se trouve la mort. Est-ce que vous êtes au courant? Le saviez-vous? Regardez d'abord à l'écran et dites-moi ce que vous voyez. Ici, on voit quoi? On voit un vampire ici. Ouais, j'ai une personne possédée. Ou encore un démon sous forme humaine. Mais de l'autre côté là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit Michael Jackson avec une jolie fille. Il a vu la fille, elle est tellement jolie qu'il la regarde. Il la regarde tellement que, ouais. Sans même se préoccuper de tout ce qui se trouve autour de lui. Il chante, il danse. Parce que pour lui, il vient de trouver la belle rare. Quelque chose d'extraordinaire. Et il l'aime déjà. Sans même avoir parlé à la fille, lui commence déjà à l'aimer. Elle a attiré son attention. Lui, il appelle ça le coup de foudre. Il a vu la fille. Elle est belle. Elle est jolie. Elle est extraordinaire. Elle est agréable. Elle est attirante. Elle est charmante. Elle est même ce qu'elle n'est pas. Waouh! Si vous êtes de ce genre de choses et que vous tombez facilement amoureux, faites attention. Faites attention! Parce que derrière les femmes sorcières se trouve la mort. Hey! Hey! C'est pas avec toutes les femmes il faut marcher. C'est pas avec toutes les femmes il faut s'associer. Il y a des femmes là, des gens de femmes là, quand elles entrent dans votre vie, plus rien ne va. Vous ne faites qu'accumuler malheur sur malheur, problème sur bonheur, sur problème. Tant, en fait, si vous n'êtes pas moi, mais Dieu merci. Hein. Parce que la souffrance est ça. La souffrance est ça. Mais j'aimerais d'abord insister sur ça. Ce qui se passe à l'écran. Surtout ça. C'est de ça que j'aimerais vous parler. Même. Vous voyez, Michael Jackson, non? Il a vu la fille là. On peut dire qu'il a vu la fille là dans la rue. Comme vous marchez, vous entrez dans le supermarché. Et vous voyez une fille jolie. Et vous la regardez. Ou bien vous êtes en train de marcher. Vous voulez traverser la route, et vous voyez une fille qui attire votre regard en même temps. Mes frères et sœurs, ces temps-ci, j'ai vu des choses. Ces temps-ci, j'ai vu des choses où, là, il faut faire très attention. Écoutez-moi vraiment très bien. Si vous vous sortez de la maison, et que vous vous retrouvez là dehors, et dans vos balades, dans vos histoires, vous voyez une fille qui arrive, c'est-à-dire qui est devant vous, mais qui arrive vers vous. En fait, elle va vous dépasser, mais elle arrive, vous l'avez vu venir. Et en même temps, vous êtes captivé par elle. Faites très, très attention, ressaisissez-vous à l'instant T et regardez autour de vous pour voir s'il n'y a pas un danger, s'il n'y a pas un accident, si quelque chose ne va pas vous faire du mal, si quelque chose ne va pas vous faire tomber. Est-ce que vous-même, vous n'allez pas croyer le mur en marchant parce que vous avez trop regardé la fille? Est-ce que vous n'allez pas à vous faire mal? Je vous dis ça, hein? Je vous le dis. Ce sont des choses que je vis moi-même aujourd'hui. Je suis sorti là tout à l'heure. C'est ce qui même pousse à vous faire cette vidéo. Je suis sorti tout à l'heure. J'ai vu une fille. Elle arrivait là, toi, devant moi. Dès que je l'ai vue naître, j'ai dit, avec les filles sorcières qui sont nombreuses en pays là,
faut qu'il regarde derrière, à gauche et à droite pour voir s'il n'y a pas un problème. Parce que non, ce n'est pas un hasard qu'elle soit là devant moi. Dès qu'il tourne ma tête tout, voici une voiture qui venait en grande vitesse. Qui dit, hein? Si je n'ai pas fait attention et que je dois apporter une mauvaise direction en regardant la fille, j'allais peut-être avoir un problème là. Oui, un problème là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce que c'est que toutes les femmes là-dehors ne sont pas des femmes ordinaires. Il y a les femmes sorcières. Ce sont déjà des femmes. Elles dégagent des énergies négatives. Ce sont déjà des femmes, même si vous n'aimez pas encore cousin elle, elles dégagent des énergies négatives. Il faut les connaître. Et il faut connaître ce qui se passe à distance. N'attendez même pas d'aller lui dire bonjour, mais pour pouvoir savoir voir quoi que ce soit. C'est comme encore un autre cas aujourd'hui qui s'est passé aujourd'hui. Hey, Jésus, aujourd'hui. Vous dire quand même. Samedi, non? Samedi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vraiment, de tous les jours de la semaine, le samedi, vraiment, c'est un jour vraiment miné. C'est un jour où même le diable, il sort de la maison bien habillé et il va au maquis, il va en boîte. Vous pouvez rencontrer beaucoup de choses. Hein. Vous pouvez vraiment rencontrer beaucoup de choses là-bas. C'est pourquoi je vous dis, faites attention. Moi, je suis sorti. Je cherche un véhicule à emprunter. Et voici, je vois une fille. La fille, elle habille de façon sexy. Elle est vraiment très belle. Maintenant, je me rends compte qu'il y a deux places libres. C'est-à-dire que tout est organisé pour que ce soit là que je puisse en monter. Bon, je n'ai pas vu d'inconvénients. Je n'ai pas vu de problème. Mais à distance, quand j'ai vu la fille, je me suis dit, eh, la fille, elle est jolie, oh. Elle est jolie, d'elle. Elle est habillée en pantalon bien sexy, comme la go que vous voyez ici, là. Vous voyez la go, là, non? J'ai regardé ça, j'ai dit, tiens, il faut que je sois affiché là. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes dans le monde. Surtout au niveau des filles, des femmes. Donc, je suis monté dans le véhicule. Déjà, dès que je suis monté dans le véhicule, je ne sais pas comment elle était assise, hein, mais il y a eu touchement. C'est-à-dire, je ne sais pas comment elle s'est arrangée, mais elle m'a touché avec son corps. Pourquoi ça se passe ainsi? Souvent, les filles sorcières, là, quand elles le font, c'est pour pouvoir vous injecter un truc qui vous fera vibrer, comme s'il y avait du courant qui allait entrer en vous. Ce qu'on sait, ils font pour injecter leur venin. Ne les laissez pas vous toucher. Saluez-vous à distance. Tu me dis, le virus là-même, ça tombe bien. Et moi, je suis monté dans le véhicule. Et je constate cela. Dès que j'ai vu ça, qu'elle m'a touché, alors je ne savais pas son coup, mais je ne savais pas quoi. Automatiquement, je me suis dit, ça là, ce n'est pas venu à ça. Non. Quand vous êtes combattu par un sorcier chaque jour, vous développez des réflexes hors du commun. Et vous savez, vous pouvez détecter qui est sorcier ou pas autour de vous facilement. Ouais. Et elle était là. J'étais là tranquillement dans le véhicule. Guettant juste un autre geste de la fille pour que j'aie la confirmation totale que je suis face à une fille sorcière. Et voici que elle est arrivée là où elle devait descendre et elle s'est mise à parler. Ça, c'est très important. Une fille que vous allez rencontrer, passez du temps avec elle. Passez du temps avec elle. Il faut l'entendre parler. Il faut l'étudier. Surtout, il faut prendre le temps de la connaître. Il faut prendre le temps de la connaître avant de lui dire chérie, je t'aime. Prends le temps de la connaître. Hein? Le temps. Le temps est le seul secret qui fera tomber les femmes sorcières. Vous allez voir leur vrai visage au fil du temps. Et moi, j'étais là. Elle était arrivée au moment où elle devait descendre du véhicule, comme je vous l'ai dit.
et elle parlait avec le chauffeur. Elle dit au conducteur, ah, écoute, tiens ta monnaie. Lui aussi n'a pas bien entendu. Elle dit, tiens ta monnaie, deux fois. Il n'a pas bien entendu. La troisième fois, la monnaie est en colère, dans une colère terrible. Je suis que c'est la certaine sorcière en même temps. Je dis ça là. Ce sont les signes qui ne trompent pas. Ça, ce sont les signes qui ne trompent pas. Quelqu'un m'a dit, ah, peut-être qu'elle était fâchée, la journée était dure. Non, la journée n'était pas que la journée était dure. Ce n'est pas que la journée était dure. Souvent, il y a des signes que Dieu vous montre, hein, mais les gens pensent que il y a d'autres explications qui peuvent expliquer ça. C'est un signe de la sorcellerie. J'étais là face à une fille sorcière. Elle était belle, elle était jolie. Moi, je n'ai pas de camarade, de copine, ou je ne sais pas quoi. Donc, je pourrais lui dire, ah bon, bonjour ma chérie, est-ce qu'on peut au moins faire connaissance? Mais si je t'enlevais elle, qu'est-ce qui se serait passé? Donc, nous, les hommes, nous sommes vraiment en danger face à des femmes sorcières. Des femmes sorcières là-dehors. Maintenant, imaginez les maris des gens. Les femmes qui sont mariées, elles, les maris. Les maris, qu'est-ce que les maris à foutre là-dehors? Qu'est-ce que les maris à foutre là-dehors? Aujourd'hui, là, toutes les femmes de dehors, là, elles sont toutes belles. Pourquoi? Parce qu'elles font la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique bien réussie, ça fait d'elles une princesse, une fille attirante, une fille agréable, belle à voir. Même son maquillage et son visage cachent toute sa laideur. Son maquillage la rend plus belle que belle. Et ça attire les regards des gens. Le monsieur, il a une femme à la maison, mais quand il sort, c'est comme s'il voit le paradis. Mon frère, ce que tu vois là, et que tu penses que c'est le paradis là, moi je dis là maintenant, c'est la mort. Là, il vient de Michael Jackson ici. Il y a son visage. Et puis regarde, il y a son visage au côté là-bas. Et c'est le même visage. Je vous dis, si vous ne comprenez pas français, comprenez ce français là, écoutez bien. Derrière les femmes sorcières se trouve la mort. Ne sautez jamais sur la première venue. Ne sautez jamais sur la première venue. Il faut toujours faire attention. Maintenant, je continue mon chemin. Tout ça veut dire, tout ce que je vous raconte là, le seul jeu que je viens de vivre là, tout ce que je vous raconte, c'est le résumé de ce qui s'est passé pour que je vous dise. Hey, vous n'imaginez pas ce qui peut se passer sur un chemin d'un enfant de Dieu qui sort pour faire des courses. Non, c'est pas possible. Là, je vais porter mon ré bien serré, bien serré, pour éviter que la poussière de mes yeux inutilement. Les gens pensent que je suis en train de me faroter. Je porte mes ré pour que la poussière n'entre pas de mes yeux. Les sorciers pensent que je suis en train de me faroter. Les bons idiots. Et je suis là tranquillement. Et je marche. Et à un moment donné, j'ai vu une fille. Mes yeux sont tombés sur la fille une fois. Et la deuxième fois, de façon naturelle, mes yeux sont retombés encore sur elle. Je l'ai regardée jusqu'à un moment donné, j'ai vu qu'elle était maquillée. Il dit, oh, ça là, c'est encore du mensonge. C'est encore des filles qui veulent nous mentir. Elles sont là en train de nous mentir matin, midi et soir. Elle a regardé vraiment. Il finit ça finit de se passer. Hein. Il ne fait même pas 1,5 m. Je croise encore une autre fille. C'est comme si le diable avait aligné les deux filles là devant moi, quoi. Je crois encore une autre fille. Cette fois-ci, elle n'est pas maquillée. Elle est bien, elle n'est pas maquillée. Elle n'est pas maquillée, elle obéit de maquiller ce jour-là. Je la vois. Et puis, je la regarde une fois. Et la deuxième fois où je voulais la regarder, là, elle-même, elle a tourné son visage pour me regarder avant de lui dire, ah! Ouais, ça c'est une femme sorcière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où j'ai regardé la première fille et que je l'ai regardée deuxième fois et que j'avais elle à son niveau et que je l'ai regardée une fois et je voulais la regarder deuxième fois, automatiquement, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait créer un contact spirituel entre elle et moi. En quoi faisant? En me regardant aussi droit dans les yeux.
Ou un doigt dans la lunette, comme mes yeux n'étaient pas dehors. Oui. Ça, il fait des révélations sur les filles sorcières qui sont là dehors. Et les tactiques, les techniques. Si vous n'êtes pas un sorcier, écoutez bien ce qu'il vous dit. Mais si vous êtes un sorcier, bon, ça ne vous va pas vous gérer. Faites très attention à ça. Maintenant, je continue mon chemin. Je l'ai évité, mais après, ça m'a fait rire. Je ne faisais que rire, ça m'a en partant. Je ne faisais que rire. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Et ça, mais un endroit où j'ai vu une autre fille. Tout ça, les femmes. Hein. Je vous ai dit que dans la société, il y a beaucoup de femmes. Dans ce combat contre les sorciers, contre le diable et le monde des ténèbres, j'ai été plus combattu par les femmes que les hommes. Les hommes sont là pour venir balayer. Maintenant, les femmes, elles sont là pour attirer. Comment vous le dire? Bon, écoutez ça. Il s'est arrivé un endroit où j'étais même prêt à acheter de la nourriture. J'étais arrêté là. Et je cherchais comment faire pour pouvoir faire le bon choix. Genre, souvent, vous arrivez dans un restaurant, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez manger. Donc, vous réfléchissez un peu. Mais pendant que vous êtes en train de réfléchir là, voici que vos yeux tombent sur une fille. Une femme. Elle est avec un gars. Les deux sont assis à une table. En train de boire ou même manger. Bon, en effet, les deux sont en train de causer. Et puis, tout à coup, vous rendez compte que la fille, elle est belle. Hein. Elle est vraiment très belle. Hein. De façon naturelle, hein, c'est ce que votre cœur dit. Alors, dès que vous finissez de dire cela, tout à coup, la fille, là, elle commence à vous regarder comme si elle voulait vous dire quelque chose. Quand tu as parlé dans ton cœur, tu n'as pas dit, tu n'as rien dit, tu n'as pas dit quoi que ce soit. Mais elle commence à faire des mouvements comme si pour dire que, oh, mon gars qui est à côté là, il faut le laisser. Moi, c'est toi, mais tant que je veux. C'est toi qui es bon. Dès que j'ai vu ça, la net, j'ai dit, c'est une sorcière! Nous sommes face à une sorcière encore ici. Hé, les sorcières, vous êtes nombreuses. Qui vous a initié même? Qui vous a contaminé? Ce sont des vampires, comme ce moqueur qu'elle a là, c'est quand ici. Non, j'étais là, j'ai dit, Maintenant, le plus mauvais, souvent dans ce genre de situation, c'est que quand la fille, elle assise dans le bar ou bien dans le maquis avec son gars, et que son gars, c'est un sorcier, si l'un d'eux ont découvert spirituellement que vous commencez à avoir des sentiments pour la fille, le gars et la fille vont se communiquer en esprit. C'est-à-dire les deux sont assis sur la table. Maintenant, il ne faut pas ouvrir ça leur bouche pour se parler de ça, mais en esprit. Ils vont se communiquer en esprit, se donner l'information. Il va dire à la fille, tu vois le gars qu'elle a là, tu as ressenti, non? Tu sais ce qu'il veut, non? Tu vois que il est fan de toi, non? Ok, c'est un garou. Il va voir ce qu'il n'a jamais vu. Toi, il faut faire semblant comme si je suis ton frère. Maintenant, le gars, la fille là, qui est un sorcier aussi, hein. Lui aussi, il va faire semblant comme si la fille avec qui il a assis là, c'est sa sœur. Oui. Il peut se lever. Hein. Il va se mettre devant. Et puis, il va laisser la place là libre. Vous regardez à gauche et à droite, vous ne voyez pas le gars. Ah, vous dites, mais le gars, il est parti où? Il a fait, elle, maintenant, elle est seule. Elle va commencer à vous séduire. Elle va commencer à vous séduire. C'est-à-dire, la situation là, je vous dis, n'entrez pas dans ce piège parce que c'est un gros piège. Le gars qui vient s'élever à son cas, aujourd'hui là, les filles ne sont plus célibataires. Elles ont toutes, un ou deux, ou même trois, même 10 gars, même 100, même s'il y en a, même, elles vont avoir tout ça. Donc ne dites pas que si elle est libre, si elle est comme ça. Le gars qui vient s'élever, c'est son gars. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vous tendre un piège. Le gars aussi va vous tendre un piège. Si vous avez fait l'erreur de vous approcher de la fille, vous allez voir ce que vous allez voir.
C'était un piège organisé par le gars. Et il peut même laisser faire l'affaire s'ils sont découverts que vous êtes riche. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va laisser la fille vous gérer. Maintenant, l'argent qui va sortir de ça là, ce sont les deux qui vont se partager. Genre, vous, elle vous plaque bien. Elle peut même arriver à vous soutirer de l'argent. Et les deux bouffent bien votre jeton. C'est devenu quoi? C'est devenu le nouveau jeu des sorciers. Ce sont des révélations. Hein? Je t'appelle même c'est plutôt la même révélation des. Ce sont des révélations que je vous donne. Les amis. Voici ce qui se passe dans le pays là. Voici ce qui se passe dans ce monde là. C'est pourquoi je vous dis, derrière les femmes sorcières se trouve la mort. Les problèmes. Les difficultés, les histoires, tout ce qui est mauvais se trouve derrière ces gens de personnes. Maintenant, ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Maintenant, que je ne dis pas que je ne vous ai pas dit. Maintenant, quelle est la solution hein, pour pouvoir savoir qu'une femme est une sorcière ou pas? Là, il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de moyens. Sachez que les femmes sorcières, elles sont de mauvaises femmes. Maintenant, vous ne pouvez pas marcher avec une mauvaise femme. Une femme qui a un cœur noir. À cause de quoi? Mais vous ne pouvez pas marcher, elle sait tout. Vous n'êtes pas mauvais. Vous voulez quelqu'un qui sera la mère de votre enfant, de votre enfant même. Donc, vous ne pouvez pas marcher avec. Une chose stable, une chose stable. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez prendre le temps de la connaître. Prenez le temps de connaître la fille là. Seul le temps va vous révéler qui elle est en réalité. Mais cette histoire de dire je l'aime, l'amour est trop. Arrêtez ça. Si vous mettez l'amour devant et que vous laissez passer ses défauts, hein, non, vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Au moins, vous êtes toujours sur vos souvenirs là. Et vous avez déjà trompé avec au moins 10 gars comme ça. Maintenant, bien que vous l'avez attrapé en train de vous tromper avec 10 gars, vous allez dire, oh, je l'aime toujours. Je lui pardonne ses péchés. Mon ami, tu n'es pas Jésus. Je lui dis, mon ami, tu n'es pas Jésus. Souvent, les femmes sorcières que vous avez là chez vous, hein, elles sont là pour créer des problèmes, afin que vous ayez tout un mal au cœur. Tout un mal au cœur. Tout un mal au cœur qui a épousé la fille, n'a pas la paix ou elle te crée toutes sortes de problèmes. Donc, prends ton temps. Étudie la fille à distance d'abord. Dès que la fille, elle va se rendre compte que tu l'étudies à distance. Parce qu'elle est sorcière. Si elle est sorcière, elle va se rendre compte que tu l'étudies à distance. Est-ce que vous voyez un peu? Elle va se rendre compte que tu l'étudies à distance. Hein. Donc, elle va essayer de bien se comporter pour ne pas que tu saches qu'elle est une sorcière. Mais dans la prière, hein, tu peux prier, tu vas te révéler sa vraie identité. Mais un jour là, son mauvais comportement là va sortir. Son mauvais comportement là va sortir. Tu vas voir que pour un rien comme ça, tu lui dis juste une petite chose, elle passe ça pour faire une grave affaire. Tu lui dis juste une petite chose, elle passe ça pour faire toute une histoire. C'est une fille sorcière. C'est une fille sorcière ou bien une femme sorcière. Maintenant, regardez dans cette image. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Michael Jackson, on voit la fille qui est là-bas, les deux sont des amourachés, c'est comme si c'est beau. C'est le genre de choses que vous voyez à l'école, qu'on vous montre, comme on va prendre l'exemple de Justin Bieber dans son clip qui s'appelle Baby, 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 Ooh. Il voit la fille, il tremble, il tourne autour. À cause d'elle, il ne peut plus rester sur le pied. C'est ça des choses là. Ne faites jamais ça. Sinon là, aïe, aïe, aïe. C'est la mort que vous allez chercher. Regardez bien autour de vous. Surtout quand vous êtes en train de circuler, vous êtes en circulation. Si vous êtes arrêté, hein, même si vous êtes arrêté, regardez à gauche et à droite. Même souvent, même, les mauvaises personnes de ce monde utilisent les filles pour séduire les gens pendant que les filles vous séduisent. Elles profitent pour vous faire de mauvaises choses derrière. Donc, il faut se méfier de la femme. Plus que le diable lui-même. Méfiez-vous de la femme, hein, plus que le diable lui-même.
Une bonne femme, là, c'est une femme qui prouve qu'elle est une bonne femme. Parce que ses œuvres sont là. Et non seulement ses œuvres sont là, mais aussi elle dégage des énergies positives. Mais une mauvaise femme ne va même pas vous aider à avancer. Une femme sorcière ne va même pas vous aider à avancer. Pendant que vous cherchez à avancer, elle cherche à vous faire reculer. Aujourd'hui, vous dites que vous voulez acheter une maison. C'est là qu'elle venait dire que non, une voiture c'est mieux. Vous dites que vous voulez acheter une maison. Elle dit qu'elle veut que vous achetez une voiture. C'est imparable. Une femme comme ça, là, qui ne connaît pas ce qui est bon, même qui envoie des idées pour combattre vos idées, que personne ne vous dise que c'est une sorcière. Que personne ne vous dise que c'est une sorcière. Parce que c'est qui une sorcière? Écoutez-moi bien. Une sorcière, là, c'est une femme. Ouais, c'est une femme. Elle a que pour détruire les hommes d'autrui. Parce qu'elle est possédée par un démon très mauvais. Et elle dégage que des énergies négatives. La seule chose positive que vous pouvez voir là, ce sont ses lolos. Ce sont ses fesses. Mais si les deux ont disparu, il y a des problèmes. Elle peut rien vous apporter à long terme. Elle ne ferait que s'opposer à toute décision que vous allez prendre, toute bonne décision que vous allez prendre. Sur moi, si vos décisions sont mauvaises et qu'elle vient se poser, vous allez dire, hey, c'est une bonne femme. Vraiment, c'est que c'est pas une bonne décision. Mais même si c'est mauvais, si c'est une femme sorcière, elle va vous pousser même à prendre la mauvaise décision. Elle va dire, oui, va. C'est comme une bénie, oui. Et vous devez être vraiment très vigilant. Je vais vous donner encore un autre exemple, un autre signe. J'ai vu une fille, il y a très longtemps, c'était pas vu. Vous voyez, non? Et on a commencé à causer. On causait de tout et de rien. À un moment donné, il était sorti acheter du poulet. Je suis venu à la maison, il a fait tout ce qu'il fallait. Et bon, comme moi, je suis ouvert, je lui montrais ce qu'il faisait. Elle a vu du poulet, elle a vu le prix. Elle dit, ah, comment est-ce que tu peux acheter ça là pour manger ça? Comment est-ce que tu peux manger toi un seul poulet le même jour? Ah, mon ami, et elle m'a conseillé de plutôt, elle dit que si c'était elle, elle allait plutôt utiliser la poêle de sardines mélangée au condiment pour pouvoir manger. Je dis, ok, pas de souci, c'est une belle idée. Mais moi, je ne sais pas trop ça. C'est pas trop ça, c'est que je ne sais pas trop ce que j'ai prévu. Maintenant, un autre jour, c'est-à-dire quelques temps plus tard, quelques jours plus tard, du genre, on causait. Et dans leur conversation, j'ai dit que le poids de sardines, là, vraiment, ça ne me plaît pas. Ce jour-là aussi, là, elle a changé de bouche en même temps. Elle aussi, ce jour-là, elle a dit que, qu'elle a toujours détesté le poids de sardines. J'ai dit, hein? Tu détestais la boîte de sardines. N'est-ce pas toi qui me disais que je devais utiliser la boîte de sardines pour manger la semaine dernière là? Parce que toi-même, tu aimes bien ça et que c'est ce que tu ferais. Bon, aujourd'hui, tout à coup, tu n'aimes plus la boîte de sardines et tu n'as jamais aimé ça. Non, quand j'ai entendu ça, j'ai dit voilà, ça c'est la confirmation que c'est une sorcière. Aujourd'hui, elle dit ça. Demain, elle dit autre chose. Aujourd'hui, elle dit ceci. Demain, elle dit autre chose. Une fille comme ça, c'est votre ennemi. C'est-à-dire que vous avez votre ennemi là chez vous qui vous combat, même au travers de ses idées, mais vous n'êtes pas au courant. Que cette vidéo-là vous aide. Que cette vidéo-là vous aide. Vous là, que cette vidéo-là vous aide. Non, je suis amoureux. Hey, la fille, elle est jolie. Hey, il faut que je la présente à ma famille, à mes parents. Prenez le temps de connaître la fille à distance avant de vous approcher d'elle. Il y a des filles sorcières. Quand vous approchez d'elle, elle vous donne la vitamine du diable. C'est-à-dire, quand vous avez la vitamine, vous pensez que oh, c'est bien, ça vous fait du bien, mais le mal que ça vous fait, non. Ouais, vous allez apprécier. Vraiment, il faut que je vous parle. Il faut que je vous fasse. Il faut vraiment vous parle. Là, je n'ai pas encore parlé de Chisa. Les filles sorcières qui sont spécialisées dans la division des foyers, des gens mariés.
la séparation des gens mariés. Elles sont spécialisées dans ça. Oui, il y a les filles là, dehors, leur job là, c'est ça. Quand vous n'êtes pas marié, elles sont pour vous. Et elles peuvent aller jusqu'à faire un enfant avec votre mari, deux enfants avec votre mari. Elles sont la quatre enfants avec votre mari. Et ça cachette. Toi, mon frère, si tu es dans ça, va te confesser auprès de ta femme. Faut implorer son pardon. Sinon, Dieu va pas t'accueillir au ciel là-bas. Tu as été envoûté par la sorcière de là dehors. Là, tu as une famille dehors, tu as une famille à la maison et ton argent est divisé en deux. Ça, c'est que j'ai des problèmes. Ça, c'est que j'ai des problèmes. Après, c'est pour dire, plus rien ne va au pays, la cherté de la vie. Souvent là, il faut faire attention. Abonne à ton dehors! Salut! Abonne à ton dehors! Salut, Théo! Salut, Théo! C'est parti, prochaine vidéo. Restez connectés.